Ohayo les amis et bienvenue sur le stream sauvage de Kabuki. Aujourd'hui c'est Strange Brigade, voilà, c'est offert par Rebellion. Du coup c'est sorti il y a une petite semaine, un truc comme ça, ouais, le 15, donc il y a un peu plus d'une semaine. Je connais pas du tout, ça a l'air sympa, c'est un jeu de zombies dans les années 30, en Égypte, voilà. Donc on découvre, on lance un nouveau style de jeu aussi sur le stream. Et puis on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de son apparemment. On va voir si ça va arriver. Ça y est, on a le son. Alors on va baisser un petit peu, voilà. Tac, je me mets en mode studio comme d'habitude. Alors, à peine visible, ok. Alors, invisible, ok. À peine visible, visible. Moi, je mettrais plutôt comme ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc, on nous demande d'ajuster la résolution de l'écran. Le jeu est en français. C'est cool. Alors, jouer, on pourra jouer en ligne, apparemment, en local. DLC, donc je sais pas si on a eu le jeu avec les DLC. Je ne pense pas. En tout cas, il y a pas mal de DLC. Donc c'est un jeu qui sortait en 2018 sur PC et qu'on retrouve en 2021 sur Nintendo Switch. Voilà. Options. Sous-titres. Why not? Ah ben oui, de toute façon, ça a l'air d'être en français, mais bon, on va les mettre au cas où, je sais pas. On va voir si l'audio. On ne parle pas de langue. Alors. Mais ça avait l'air de parler anglais. Salut Lina, comment tu vas? Ça fait plaisir que tu passes. Alors la chaîne a reçu une nouvelle clé de jeu là. C'est Strange Brigade. C'est sorti il y a une semaine. Et ben, j'avais envie de. Même si je taffe là, c'est 2 jours à. Sur site, j'avais envie de vous le streamer, je voulais pas attendre la semaine prochaine. Donc j'ai lancé un stream sauvage. Bon, on va laisser tout comme ça. On va mettre les sous-titres en espérant que ce soit pas en français, sous-titré français. Au pire, on retournera dans les options. Alors j'ai pas l'habitude de jouer ce genre de jeu. Donc on verra ce que je vaux. On verra ce que je vaux en fait. Alors j'ai 4 amis. C'est bizarre. Si je fais ZR. D'accord. En ligne, bizarre. Et Clémy ne joue pas à ça pourtant. Alors jouer, c'est peut-être tous mes amis Switch qui sont en ligne. Healer, je le vois pas jouer à ça non plus. Bon, en tout cas, on est parti. Je vais me mettre un peu plus de son. Campagne, horde, bah campagne, hein, je suppose. Alors personnage. Morsure de vampire plus rapide. Ouais. Recharge bombe rapide bagarreur. J'aurais ma chère aussi, tu vois les amis. Pas ceux qui. Ah ouais, ah, j'avais pas fait gaffe, tiens. Alors, ouais. Au coriace, très précis à la tête. Au Archimède, Frank Fairburn. C'est ça? Frank Fairburn. Ça me tente bien. Allez. J'aime pas trop sa tenue, mais. Fairburn. On a bien fait de mettre le sous-titrage. Inventaire. Ok, c'est nos armes, ouais. Est-ce que tu connais ce jeu, Lina? Personnage, 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 inventaire. Commencez l'aventure. C'est parti. X, Department of Antiquities. Reliques d'illumination. Ah, on a plein de trucs à trouver en fait. 0 sur 4, ok, bon. Bah écoute, moi non plus, j'ai demandé la clé parce qu'il avait l'air cool. Et que je voulais un peu changer de style de jeu. Et Rebellion, donc ceux qui ont fait le game, ont accepté. On va aller voir ce que donne la chaîne, ils ont accepté. Donc c'est parti. Ah, c'est en français, d'accord. The Strange Brigade. Donc ça se passe dans les années 30, hein. Egypt again, eh? No rest for the wicked. Evil never rests, so nor can we.
Just as long as it goes better than that mess at Patagonia. Patagonia, eh? How intriguing. I wonder what... Gosh, Ollier, here's your ladyship. Thank you, Gracie. Yes. Egypt again, Professor De Quincey. And this is why. Egypt, land of ancient secrets and mummified mysteries. Veronica Branwich, some of you probably owe your lives to the valuable undercover work she does for the department. Veronica, an invaluable contributor to the brigade's efforts. My last assignment was to join the dig expedition of Sir Edgar Harbin, a wealthy amateur Egyptologist searching for the legendary tomb of Setekhi. Setekhi? Black-hearted fiend. Yes. The infamous witch queen of ancient Egypt. Her final resting place has been lost for millennia. Miss Brownridge's task was to ensure it remains so, but her last communication indicated that Harbin had found the tomb and was about to open it. We haven't heard from her since. And must now fear the worst. Prepare yourselves, Brigade. Secure the dig site and find the tomb. If Harbin has indeed opened it and freed the thing imprisoned inside, then who knows what horrors you will soon be facing. A plucky brigade agent missing. And some damn fool possibly setting free an ancient evil. Time to call on the services of... The Strange Brigade. Ok, la brigade étrange. Alors, lieu de fouille d'Harbin. Là, une aventure commence. Alors, si les voyous s'approchent un peu trop, utilisez R pour balancer un coup de je sais pas quoi. Est-ce qu'on est bon, Lina, au niveau du son? Ouais, c'est vrai que ça fait un peu League des Gentlemen extraordinaire, c'est vrai. L'ambiance est sympa, après il faudra voir le jeu. Allez commencer la partie. Et coucou Lady, bienvenue en Égypte dans les années 30. Un vilain taré a voulu ouvrir le tombeau de la reine d'Égypte, la reine sorcière d'Égypte. Il y a un petit écho, ah oui, donc bah c'est parce que c'est le retour. Là ça doit être bon. Hein. Ouais, j'ai vu Cozy Grove Lady à la mise à jour d'été, j'ai vu. Ok, donc on voit le perso à la Fortnite. Alors avec X, on peut changer d'arme. Ouais. Ah, non, je ne voulais pas faire ça. Là, j'appuie sur R. Là, c'est L, d'accord. Donc, ZL, on vise. Et R, on tire. Ouais, je sais qu'on peut faire des câlins. Trop cool, Cozy Grove. Bah, vendredi matin, on se fera la 2.0. À mon avis, on va pas par là. C'est joli pour de la Switch quand même, hein. C'est fluide. Voilà, une grande première pour moi de jouer à ce type de jeu. Et on va se faire un oiseau, ça vous dit? Ok, et alors, ça fait quoi? Rien du tout, il y a un truc bleu. Je peux sauter ou pas? Je peux faire des roulades. Je vais donner des coups de poing. Ah, t'as reçu ton auto-catcher pour Pokémon Go. C'est mieux que la Pokéball, Lina? Ouais, c'est trop stylé, Lady. Je t'avoue que j'étais en train de faire mes overlays pour le jeu, là. Et d'un coup, je vois que Cozy se met à jour. Abattez-moi. Bon bah il faut la battre à coup de... On va prendre le fusil. Alors on a combien? Pas combien on a de balles. Ok. On peut tirer sur tout ce qui brille en rouge. Même les coquelicots là? Non. Alors, on a 50 balles. Ok. T'as plus besoin d'appuyer sur un bouton, ça se fait tout seul. Hé hey. Ouais, vu le nom, je m'en doutais. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait presque du Fortnite des fois quand on ramasse des trucs. L'écho a disparu, c'est bon?
Bon, je file, je vais aller taper mon coma vu la migraine. Eh ben bon coma, Lady. Et puis à demain. Riveting reading. Oh, huzzah, what a treat. Ok, on a trouvé de la bonne lecture, c'est cool. Au niveau de la cam, est-ce qu'on peut... Non. Ah ouais, d'accord, on peut jeter de la dynamite, c'est super. Tirer sur la dynamite pour la faire exploser. Bah, la dynamite, elle s'est barrée là. Ouais, je sais qu'il y a des nouvelles musiques aussi. J'ai vu ça dans la bande-annonce. Bah, peut-être que si le jeu me saoule dans une heure, on se mettra du cosy, mais je pense pas. Je ne pense pas. Alors, la TNT explosera tout en quelques... Ah d'accord. Ah bon, du coup là, le... Je fais comment? Je fais une roulade, il veut pas. Hein. Donc c'est pas par là. Ok. Bah, ça doit être par là. C'est sympa, c'est rapide. Bah, après, faudra voir ce que je veux contre... Des matous magiques. Faut lui tirer dessus, c'est ça? C'est ça. Ben des barzous, Lady, et puis à très vite. Alors là, c'est vraiment le stream pour ceux qui aiment pas le foot ou qui le regardent en même temps. À mon avis, tout le monde est devant la télé ce soir. J'ai pas lu ce qu'il disait. Détruisez-moi, ok. Ah oui, tout ce qui est rouge, d'accord. Tout ce qui est rouge quand on... Ouais. Je gaspille des balles, mais c'est pas grave. Il y a déjà le résultat du match. Oh, des zombies. C'est des momies, ça. Il y en a beaucoup d'un coup, là. Horreur cadavérique. Où est-ce qu'ils sont, là? Ah. La tête. Toujours la tête, les zombies. Je n'ai pas vu arriver un par là, si. Oh, quel enfoiré. Bah, c'est pas la tête qu'il faut viser. Je crois que Rebellion, c'est eux qui éditent Left 4 Dead et tout ça, non? C'est pas un petit éditeur? Ah, il faut ramasser les bouboules. On a quoi comme arme? On a ça. Ouais. Ah! Ah, on peut exploser ça. Parce qu'il faut pas attendre qu'il y ait des zombies. Histoire de leur faire péter la tronche, si, ce sera plus rigolo. Voilà. Ah. Pour l'instant, c'est plutôt cool, à mon avis. Ah, maintenir ZR pour lier des âmes. Ouais. Et après? Ah, ça, il y a la jauge qui monte, non? Il n'y a peut-être pas assez. Alors là, il y a des tonneaux, donc il va y avoir des zombies. Ramassez-moi. Où ça? Quoi ça? Ah, c'est là-bas. Avec quoi on ramasse Y, non? Ouais, c'est ça. Potion de santé. Ok. Appuyez la croix du haut. Ok. Super. Cool. Ça va, c'est progressif. Il y a un petit tuto au début du jeu. Ah, il y a des trucs là à ramasser, non? Il y a de la thune. Ouh là 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 là, c'est quoi ça? Il sortait d'où celui-là? Ah, ça, ça se fait pas, ça se fait juste péter comme ça, d'accord. On peut donner des coups de poing, non? C'est mieux.
Non. Bon. Ce qui est bien, c'est que le jeu ne stoppe pas avec 3 pages de texte pour... Ouais, ça c'est vrai. Pour apprendre chaque action. Oh ouais, c'est assez rapide. Oh, un petit chat bleu. Ouvrez-moi. Alors. Ah, puis c'est fluide, hein, je suis assez impressionné. Coffre au trésor. Qui sait quelle merveille se trouve dans les coffres à trésor? Hors des sentiers battus. Des joyaux, de l'or? Des mystères échappant aux simples mortels? Ouvrez les coffres que vous trouvez et recevez les récompenses qu'ils contiennent. S'ils vous le demandent de l'or, c'est qu'ils contiennent des armes. Hein? D'accord, rédemption d'un érudit. Les mains du professeur Archimède de Quincy tremblèrent tandis qu'il saisit la tasse de porcelaine fine en écoutant la femme assise face à lui. C'est vraiment terrible, professeur. Votre expédition académique a été entièrement décimée. Tous ces jeunes gens sacrifiés. J'aurais dû vous écouter, dit-il en pleurant. Je n'aurais jamais dû les emmener dans cet endroit ignoble. Oui, peut-être, répondit Lady Imelda. Mais on ne peut plus rien y faire. Par contre, vous pouvez m'aider à éviter que cela se reproduise. L'intellectuel leva les yeux, désireux d'avoir une chance de se racheter. Il y a un petit peu de l'or, j'aime bien. Une autre entrée. Ah, pas par là. Ah, par contre, on peut pas sauter, de ce que je comprends. C'est dommage, on peut faire des roulades par contre, faudra que j'y pense. Il y a le drapeau anglais, ok. Enquêter. Ah d'accord. Pas mal foutu, et puis on passe du game à la cinématique. C'est assez fluide. Donc c'est un jeu qui est à 30€ sur l'eShop actuellement. Je sais pas s'il existe en cartouche, je pense pas. Pourquoi j'ai cette arme pourrie là? J'essaye leur truc de lier les âmes, mais ça ne va pas être ça. Il n'y a rien à ramasser. Ok. Activez-moi. L'arsenal. Dans cet arsenal, vous pourrez vous équiper de toutes les armes et tout l'équipement déverrouillé, ainsi que changer d'amulette si vous le souhaitez. De plus, c'est ici que vous pourrez ajouter vos armes, à vos armes les joyaux magiques trouvés lors de vos explorations. Ok. Donc on doit choisir une arme, améliorer. Pas encore trouvé. Ah, on peut améliorer le gun apparemment. Non. Ah d'accord, ok. Alors j'ai du mal à comprendre. Là, j'ai l'arme principale. Je peux prendre un Leamington modèle 14. Un Westminster. C'est pas déjà ce que j'ai, non? Non. Alors les dégâts, cadence de feu, c'est pas mal ça. Alors, ouais, mais je voulais pas changer cette arme principale en fait. Non, je vais. Ah mince, du coup, c'est mort quoi. Ah, c'est pas mal par contre, c'est rapide. Ok. Le flingue. Ah, on peut le changer aussi. Dynamite, on avait quoi? Grenade collante. Cocktail molotov. Bon, on va garder la dynamite pour voir. Ça, c'est l'amulette, du coup, il n'y en a qu'une. Foncez sur les ennemis avec une force dévastatrice et envoyez-les voltiger. Ok, on essaiera. Donc, il faudrait faire ça et aller sur les ennemis, quoi. Bah non, quand je tire, ça va sur l'arme. Ok, bon.
Perhaps those symbols over the door and those shimmering switches warrant further investigation. Alors on a un scarabée. Hey Spoody! Mon petit Spoody. Je voulais prendre ce jeu, t'en penses quoi? Bah écoute, c'est une clé que j'ai eue par Rebellion, l'éditeur. Je le teste à peine là, je viens juste de le lancer. Je le découvre. C'est pas mon style de jeu. Et étrangement, ça me plaît. Alors est-ce que c'est bon signe vu que c'est pas mon style de jeu? Je trouve ça fluide, sympa. Il y a du zombie. Pour l'instant, c'est vraiment cool. Et des bonnes cinématiques. Écoute, on le découvre ensemble. On vient de débouler ici, là, il y a allez, ouais, un petit quart d'heure. Et j'y vais vraiment mollo. Donc, si tu connais pas, ou si tu veux en découvrir un peu plus, t'es le bienvenu. Abattez-moi. Faut le finir, c'est ça? Alors déjà, lui, c'est bizarre qu'il soit mort. Abattez-moi, ouais. Tirez-moi dessus, quoi. On peut recharger, non? D'accord. Oula, ça réveille tout le monde, les gars. Ah, quand on laisse appuyer, ça tire des rafales. C'est bien, ça. Moi, je faisais tout au one shot, là. C'est pas... Ouh, c'est pas gentil. J'ai un coup de poing, tiens. Voilà. Casse-toi. Ah oui, mais il y a du monde, là. Il y a du gaspillage d'armes, de munitions. Et pas un truc pour... Ah, il y avait de la dynamite, je crois. Non, c'était pas comme ça. Je sais plus comment on faisait. Ah oui, on peut faire ça aussi, c'est cool. Oula, il m'a fait mal, lui. Dégage. Alors, comment on tire la dynamite? Ah, comme ça. Et après, il faut tirer dessus. Des momies en fait. Ah, il me faut de la potion. Ouais, c'était vers le haut. Voilà. Alors, on n'a pas une arme plus sympa là. Je vais peut-être un peu mieux viser aussi. Il saute, c'est pas sympa. Je me suis trompé de bouton. Alors. Un petit saut de biche. On change d'arme. Et il rampe et tout carrément. Ok. Bon, ça va quand il y a les tirs, le micro. Bon, je fais des tests son là, c'est pas bon. Bon, ça va, il n'y a pas d'écho. Le retour est pas trop fort. Ok. Du coup, comment t'as connu ce jeu, Spood? Ah, il y a de la thune là, c'est cool. Alors, il y avait des symboles à aller voir, en fait, j'ai déconné. Au-dessus de la porte, alors je sais plus où elle était cette porte. C'est quoi ça? C'est vrai qu'il y a des munitions et tout là. Et oui! Il y a un sac à dos. Ok, cool. On peut le refaire. Munition pleine, ok. Alors, je voudrais pas tirer là-dessus aussi. Yes, looks like you're on the right track here, Brigade. Huzzah, success, good show. Là, voilà, là, il y a des symboles. Ah ben voilà, d'accord, c'était aussi simple que ça. Ouh là là, il n'y a pas que des zombies. Il y a des scorpions. Dar sinistre. C'est cool. Les roulades et tout là. Des aliens. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, il est rentré sous terre, ah ouais, carrément. Voilà, il est mort. Un petit peu stressant. Si on changeait d'arme. Ok. C'est un nid. Il a l'air plus coriace celui-là, je sais pas pourquoi. Hein. Et il recharge mon arme. Amulette chargée. Alors appuyez sur B pour utiliser l'amulette. D'accord. Je crois qu'il faut pas utiliser maintenant. Là voilà. Tiens. Ça c'est fait. Aucun véritable scorpion n'a été blessé dans cette vidéo. Ouh, il était caché dans un tonneau, le vilain. Un peu de thune, c'est cool. Ok, les gars se cachent dans des tonneaux, tout va bien. Un peu vicelard quand même, hein. Dans le doute. Ah non. Ah, par contre, je viens de voir. Alors, je n'ai plus de potions. Et je n'ai plus de vie. Comment on fait? Trouver une potion. Eh, je veux bien trouver une potion, mon gars. Non, c'est pas ça que je veux faire. Oh non, je viens de me brûler comme un con. Là on y voit en noir et blanc parce qu'il me reste plus de life. Ouh, il y a des zombies. Faut trouver une potion. Et comment on grimpe d'ailleurs? On peut pas sauter. Ça, c'est bien dommage. Alors où est-ce que je vais trouver une potion dans ce bordel? Ça c'est quoi d'ailleurs? On va tirer là-dessus? Non, comme ça. Ça a l'air de faire bobo ça. Ah oui, c'est pour les zombies, ça. On va essayer de pas crever. Ah, il y avait des zombies, là. Ça tombe bien. On tape un peu des munitions. Ça c'est une droite quand même. Oh là là, faut pas que je me fasse toucher. Ça pète dans tous les sens. Ouais, j'ai vu une balle, hein. Bizarre. There's something you won't see at Regent's Park Zoo. Ouais, le feu ça marche bien sur les zombies. Ouais, il me faut une potion les gars. Non! C'est vengé avant de crever quoi. Énorme. Alors, du coup. Toujours pas de potion. J'aurais bien continuer en bas quand même, mais on n'a pas de map non plus. Ah, une potion. Vite avant que je crève. Ils sont vicelards, hein. Ok.
Ouvrez-moi. Ah, il y a lui d'abord. Là, je m'en doutais un peu. Yes, arm yourself with this beauty, brigade. Ooh. Ça y est, je suis dans le game là. Ah, 500 balles pour ouvrir la caisse quand même. Hein. Ok. Alors, qui va être le petit vénard pour lequel on va tester? Ça aurait été bien pour les scorpions, ça. Un petit lance-flamme. Flammen Werfer. Werfer. La meilleure arme. Il y avait une petite mallette là, tranquille. Des munitions, magnifique. Je vais quand même retourner là-bas, ça avait l'air cool. Et là, j'avais tiré là-dessus, ouais. Du coup, on a perdu Spoody. Connection lost. Il y a des trucs là-haut, non? On peut pas tirer dessus? Apparemment, non. C'est la déco locale. Moi, je vais me lance-flamme, là. Ah ouais. Ouais. Y a rien de tel que le feu. Non, pardon, je somnole. Désolé, Spood, si on t'a réveillé. On a trouvé un lance-flamme pendant que tu dormais. Le boulot est crevant. Allez, venez là, les gars. Ouais. C'est excellent. Ou par contre, les gars, il me reste plus que 22 recharges. Hein. C'est vraiment quand t'es dans la merde, le lance-flamme. Au début, tu fais joujou avec. En fait, on connaît ici. J'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'on a là-haut aussi? C'est trop space. Ouais, je gaspille mes balles, vous inquiétez pas. Alors, je somme, je reviens d'un barbecue et moi d'un petit resto. Mais ça va, on se met bien, les gars. Moi, je vais me faire un petit week-end à Niort chez Lady Clémentine. On va se voir pour la première fois en IRL. Et ça va être la même, puisque je, avec Ico, Monsieur Ico, puisque je vais le voir pour la première fois et on va partir ensemble. Je vais le pécho à la gare du Nord et après on trace notre route vers l'ouest. Non, non, roulade, roulade. Et sûrement qu'on fera un stream hein, sur la chaîne de Lady. N'hésitez pas à passer ce week-end. Surtout si j'ai reçu Mario Golf, on se fera un petit Mario Golf. Comme ça, je pourrais leur latter les couilles à Mario Golf. Ah, ta première vraie nuit dans ton nouvel appart. Tu vas être là dans ton lit. Tous les petits bruits que tu connais pas. Identification. Ah, enfin, l'électricité. Cool. Ah, j'avais pas suivi le coup de l'électricité, les gars. EDF avait pas fait ce qu'il fallait, c'est ça? Ils t'ont donné une fourchette d'intervention entre 8h et 18h. Ouh, ça a l'air sombre par là. On va y aller, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, mais je sais ce qu'il lui faut à lui. Ta-ta-ta-ta-da. Arme vide. Pas grave, on se renflouera en munitions. Alors du coup, il y a là et il y a là-bas. Alors, je sais pas trop. Ah, j'aimerais bien passer par là, vous voyez. Bienvenue dans la vie moderne, genre néandertalien. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Vous aimez le thème de l'Egypte un peu? Ça change? Égypte zombie.
D'accord, donc l'autre il s'est montré, c'est super. Ravissante relique. Quelle superbe antiquité vous avez découverte, Brigade Strange. Cet ensemble formidable d'objets époustouflants devrait produire des résultats édifiants. Par exemple, le déverrouillage d'une nouvelle amulette. Bonne chasse à tous. Spoody. Alors, j'attends EDF depuis le début du mois. Il m'avait dit le 25. J'ai harcelé chaque jour. Fini par avoir le numéro d'une dame, de Enedis, ouais. Elle a avancé mon rendez-vous. Le technicien est venu à sonner alors que la sonnette n'était pas alimentée, du coup, puisqu'il n'y avait pas d'électricité. Ok. Du coup, j'avais un rendez-vous le 30. Le 30, c'est dans 7 jours. Il te fallait l'électricité rapidos quand même, quoi. Et du coup, tu as réussi à voir le jus aujourd'hui. Ah, du coup, j'ai bien fait de pas passer par là. Vilain pas beau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer sous terre dans les escaliers? Ah, d'accord. Du coup, je ne sais pas trop où aller. Le monsieur voulait mettre un Linky. Bah écoute, j'en ai un, voilà. Une fois au début, j'ai mes lampes Wi-Fi qui se sont activées toutes seules. Je sais pas si c'est lié d'ailleurs. Mais sinon, j'ai aucun problème avec Linky. En plus, tu peux suivre ta conso en temps réel. Tip top, hein, Linky. Après, je sais qu'il y a des anti-Linky. Bon, faut vivre avec son temps. C'est vraiment le compteur 2.0. Ça m'a l'air d'être par là. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, j'ai pas beaucoup de balles dans aucun flingue. J'entends des cris chelous. Ah oui, t'as dit que c'était pas proprio, mais je crois que proprio ou pas, ils peuvent imposer leur Linky, en fait. C'est bizarre qu'ils t'aient donné le choix, en fait. Et le tonneau. Un peu tard pour le tonneau. Ah, d'accord. Oh, c'est bon, je recharge. Je suis un petit peu excité. Ah, les relous. Tiens, voilà, dégage. Ah, il a perdu un bras. Il est mort ou pas? Ah, on peut le choper avec R. Ah oui, d'accord. Cool, des munitions. Ah, c'est infini le gun. Alors là, j'ai 8 balles si je tire 8 fois. Ok, il nous en remet. Et c'est quoi pour... J'ai pas trouvé le bouton pour recharger. J'ai pris ce droit, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, on n'a pas le droit de refuser le Linky. Abattez-moi. Ok les gars, mais ça c'est pour les zombies. Trop tard. Bah écoute, après, ouais, s'ils veulent vraiment mettre un Linky, ils le mettront, t'inquiète pas. Quoi, j'ai plus de lance-flamme là? Genre, quand t'as fini de lance-flamme, t'en as plus. Oh, c'est bon. De plus en plus là. Ah bon? Pourquoi félicitations, j'ai monté un level.
Je prendrais pas Cabo avec moi s'il y avait une guerre. Ah bon, pourquoi? Je joue mal? En même temps, je suis carrément novice dans ce genre de jeu. Là, on est au tout début du jeu. Hein. Dites-vous qu'après, ça va être la merde monumentale. À la guerre, je sais pas, mais en apocalypse zombie, je prends pas. Pas de soucis, les gars. Ah, peut-être que d'ici qu'il y ait une apocalypse, je me serai entraîné à... Strange Brigade. Pour l'instant, on n'est pas mort, vous êtes d'accord? Juste à trouver une potion. Pas trop quoi faire de ça. La clé reviendra ici si vous mourrez. D'accord. Ok, donc là j'ai trouvé une clé. J'ai trouvé des munitions. Ils auraient pu quand même. Tu organiseras le camp. Bah ouais, je ferai mon Charlingals, les gars. Je sais pas si vous aviez vu quand même dans le... Dans le serveur Minecraft, j'avais fait un cimetière. Il y avait la tombe de Sonic. Je l'avais dit à personne, hein, c'était juste pour que les gars qui tombent dessus se marrent un bon coup. J'avais fait la tombe de Sonic et du père de Sonic même. Et d'autres gars aussi. Hein. J'avais fait pas mal de tombes. Je sais pas si vous l'aviez remarqué. C'était un petit peu à gauche du village de base. Le problème, c'est que quand on écrivait sur les panneaux, des fois ça disparaissait le texte. Il me faut toujours ma potion là. Elle est où ma potion? Moi j'ai pas de potion. Si je tue les oiseaux. Oh, je peux recharger, c'est cool. Là c'est mort de toute façon. Ah ah ah, c'est quoi ça? Il est vilain. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi il monte comme ça là? C'est quoi ce délire? J'ai pas vu moi qui me suivais. Et Lara Fabian, je suis immortel. Justement, Lina, sous la terre, donc il y avait peut-être ton nom. Non, t'inquiète. J'avais enterré que des trucs de merde. Alors. Mais c'était surtout pour le délire. Ah ouais, si vous allez voir que ça n'a pas été détruit ou autre. En fait, quand tu es face à là où il y avait les coffres et tout ça, c'était sur la gauche un petit chemin. J'ai mis des fleurs et tout sur les tombes, j'étais sympa quand même. Donc là, j'ai fait un tour gratuit et je pense qu'après, il fallait aller en haut. Ou en bas, non. Non, on venait d'en haut. Ah oui, c'est là que je voulais aller après. Il y a moyen de prendre un bateau, les gars, là. Je pense pas, hein. Par contre, une petite potion, ça serait le bienvenu. Avec toutes les jarres et tout qu'il y a là. Ouais, ça c'est dangereux de taper dedans. Surtout avec les points de vie que j'ai. Il y a une chaîne par terre. Et un coffre. Such lovely loot. Non, j'ai pas enterré Balan parce qu'il n'était pas sorti à l'époque, je crois. Je ne pense pas. Hop, ah, j'ai oublié de mettre le petit micro sur cet overlay, mais je suis là, ne vous inquiétez pas. Un intellectuel part en guerre. Et quand vous voulez, professeur, lança Gracie en pointant son fusil sur une autre créature glissante qui se dirigeait vers eux. Tout vient à point à qui c'est attendre, mademoiselle Braithwaite, lui assura De Quincey en passant une deuxième fois les doigts sur les symboles anciens. Ah, quel idiot je suis. Ils sont en C linéaire. Ce qui signifie... Ah, celui-là. Sur pression du bon symbole, le toit s'effondra derrière eux
et écrasa les horreurs qui étaient à leurs trousses. En même temps, la grosse dalle de pierre qui leur barrait la route s'ouvrit. De Quincy rayonnait de joie. « Toutes mes excuses, chers amis. On continue ?» Bah, des gros bisous, Spoudy. Bonne nuit. Bonne première nuit. Ouais, c'était cool de repasser. Maintenant, t'as l'électricité, t'as Internet, tout ça. Sympa, les petits emotes. Et je te dis donc à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à passer sur le stream de Lady ce week-end. On va se faire un stream à 3, là. Ça va être excellent, je pense. Zombie, zombie, pas de potion. C'était super cool de passer. Et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Alors, du coup, hop, je remets la cam. Salut tout le monde. Là, il n'y a rien dans la cage. Ouais, il est déjà sorti. Là, on avait le coffre. Qu'on n'a rien loupé dans le décor. Un partout pour le match, merci pour l'info. Sachant que moi j'habite dans en banlieue, dans un village avec une grosse communauté portugaise. Donc, je pense que si la France gagne, ça va être le bordel. Et si le Portugal gagne, ça va être le gros bordel. Bon. Bah, pour l'instant, on survit. Hein. On est en mode survie. J'ai bien peur qu'il y ait des zombies qui repopent. Picking up some ammo. Ah, c'est marrant, on voit un pacte de balles. Ouais. Ça m'inspire moins déjà. Non. Reloading. Watch out. Et je crois qu'il faut monter. Hein. On n'a pas le choix. Ça serait bien qu'il fasse repopper des potions aussi. J'en avais trouvé une dans le coin. Ah mais j'étais peut-être déjà monté jusqu'ici. Hein. Ou peut-être pas, dis donc. Ah si, j'avais eu de lance-flamme ici. This should pack a punch. Ah. The ricochet rifle, riveting stuff. Ok, je vais par où maintenant, les amis? J'ai trouvé une clé, ça va bien servir à quelque chose. Ah, faut que je retourne au scarabée. Mais oui, tu suis pas, Lina. Oh, ce bordel. Un truc dans le genre. Way ahead open. Onwards, brigade. There's murderous mysteries and sinister secrets to be uncovered here. Donc enquêter dans l'avant-poste, ça c'est fait. Leaving so soon? Are you sure there isn't some valuable loot lying about? Ça explose. On va attendre les zombies pour tout faire péter. Là, je crois que ça se claque aussi, non? Non, c'est les escaliers. Ouh, ok. Petite animation. Ah, tu fais des erreurs en même temps pour être payé. Bah, t'as bien raison. Ouh, il y a des... Ah oui, c'était trop facile. C'est joli, quand même. Gardien du temple. C'est un peu trop facile, là. Faites une roulade plongeante avec A pour éviter les attaques. Ouh là là, ça me tire dessus, là. J'aime pas trop. J'ai appuyé sur A, il a sauté un petit peu de temps après, quand même. Oh, il y a des scorpions, il y a tout, là. Ah oui, et en plus, j'ai pas de potion, les gars. Là, je vais crever, hein.
Je vais crever. Un petit peu partout au cas où. Les grottes, c'est peut-être pas le bon plan hein, pour trouver des potions. Ouh là là, il y a du monde, je les avais même pas vus. Un scorpion qui veut passer derrière moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Pas mourir, pas mourir, pas mourir. Allez, fonce dans le tas. Un tas yo-yo. Ah non, là c'est le mauvais plan. Hein. J'aurais jamais dû faire ça en mode bourrin. Ah non, allez, je meurs pas, je meurs pas. Et je trouve une potion. Allez, ils sont gentils, donne une potion. Munition pleine, ok. C'est vrai que j'ai pas trop tiré. Tiens. Ah, j'en étais sûr quand même embêté là. Ok, ok, là il y a les lanceurs de. Les lanceurs de lance, non? Alors. Est-ce que c'est que ça? Ah bon, avec l'amulette, c'est où ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ça sent le piège pourri. Munition pleine. Je sens pas ce truc là. Bon, les potions quoi. Je vais essayer d'attaquer avec l'amulette. Casse-toi le scorpion. Reste geste là. This is quite the sinister development. Ouh là 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 là. On s'enfonce dans les emmerdes. And what's this? Yet more undead corpses rising to the occasion. Cinématique salvatrice, j'avoue, mais le scorpion, à mon avis, il est toujours là. Essayez de tenter une roulade. Cadavre horrible en armure. Hein? Oh, ça, c'est bizarre. Ça, ça va m'aider, hein. Par contre, est-ce que ça peut me faire mal à moi? Ça, je vais en abuser de ça. Hein. Ah, il jette son arme quand il a plus de munitions, lui. Comment je fais, les gars? Je veux juste une potion. Oulala. En mode fuyard. Casse-toi, casse-toi. Ah, il avait l'air d'avoir une potion, lui, hein. Oui, c'est une potion, ça. Oulala. Allez, on boit ça. Ah, ça, c'était le coup de bol, les amis. C'est le zombie qui avait une potion. Moi, j'ai plus beaucoup d'armes, j'ai l'impression. Du coup, je fais un peu plus attention à ma life. Faire un peu moins le bourrin. Je sens que le scorpion va revenir là. Ouais, j'aurais pu me faire buter en butant la potion. Je rigole, mais j'y ai pensé. Mais bon, je l'aurais bien mérité, hein, vu que j'avais fait le con avant. Ah, c'est vraiment un coup de chance. C'est ma deuxième chance. Passe-toi. Je croyais qu'on pouvait faire ZR là. Et du coup, j'ai perdu toute ma life. Là, vous pouvez dire que ça vaut pas le coup de m'embarquer dans une apocalypse zombie. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis pas mort encore. Toujours là, le kabuki.
Alors appuyez sur bas pour lâcher une potion à vos coéquipiers. Mais là on est tout seul les gars. J'ai même pas d'armes. Voilà. Et la panique à bord. Bon, y a pas un zombie avec une potion là? Il y a trop de zombies. Ah la feinte, j'ai foncé sur lui. On a fait un chassé croisé. Il est mort, il est mort. Il voit de moins en moins bien. Ah oui, il y a des tonneaux là pour les flinguer. Casse-toi. Prends ça, 6 ennemis projetés, ouais c'est cool. Donnez-moi une potion les gars. Allez, allez, allez. Je l'ai échappé belle, le gars est arrivé en traite. Venez les petits. Qu'il y a ces trucs là, je vous le dis. Je fasse gaffe derrière moi quand même. Ouh là, c'est just. Ah, il a une potion lui. Ah, ils sont gentils quand même. Je l'ai pas trouvé, c'est ça, je l'ai pas prise. Encore, je suis pas contre les gars qui me tirent dessus avec leur lance. Ça fait que j'appuie plusieurs fois. D'accord, c'était une vague en fait. En fait, pour choper la potion, faut appuyer longtemps sur Y. Bon, pour l'instant le jeu est sympa, je suis pas mort. Il y a un truc qui s'est ouvert. Je pense que c'est là. Vous utilisez une potion pour vous échapper d'un sarcophage. Vous pouvez utiliser une potion, d'accord. Pour vous échapper d'un sarcophage. Bon. On peut se retrouver dans un sarcophage. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Un peu de thune. Ils sont où les tarés? Ils sont là ceux qui lancent des trucs? Hein non, même pas. Oh, un petit scorpion. Tout va bien. Ah, ça me paraît pas mal. Ouais, des pics. Ok, les gars, on se détend. Mais non! J'ai vu un tonneau explosif là. Ok,
Ok, je l'ai flingué avant qu'il revienne. Il y a des bouts de. Il y a des morceaux de zombies là. Il y a surtout plein d'âmes à choper. Alors. Du coup, Lina, toi qui as l'habitude de ce genre de jeu, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce jeu? Ah, on peut les finir comme ça. D'accord. En train de gaspiller là. C'est mieux comme ça. Ok, on est plus que 5, pas de problème. Ah, ça c'était à faire péter. Ça. Ah, voilà, ça tombe bien, les gars. Venez là. Voilà. Il y avait de la thune. J'ai vu une drôle d'ombre, non? Ah oui! Ah l'enfoiré! Espèce d'enfoiré! Il a voulu tuer Kenny. Alors, il est assez basique au niveau des possibilités. Ouais, j'imagine. En même temps, on n'a pas vraiment la plateforme pour. Oh, il y a Doom quand même sur Switch. Hein. C'est plutôt en FPS. Ça, du coup, c'est un TPS, c'est ça, si je dis pas de conneries. Hein. On voit le perso de dos. TPS, ok. J'aime bien TPS. En fait, je joue un petit peu à Fortnite avec ma fille. Et du coup, j'ai pris l'habitude de viser avec ça. Une terre grise et ennuyeuse. Angleterre, une terre grise et ennuyeuse. La nuit, je rêve d'un autre endroit. Une terre ancestrale où le soleil cruel brûle les sables gorgés de sang. J'aime beaucoup ces rêves. Ok. Est-ce qu'on peut rester tranquille sans qu'il y ait des zombies qui se pointent ou pas? Plus ou moins. Alors, pour afficher votre objectif, ah, c'est cool. Alors, découvrez ce qui est arrivé à Harbin, celui qui a ouvert le tombeau, et atteindre le camp de base de Harbin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est violent, ça. Casse-toi. Ah, mais c'est pas la bonne arme, ça. Ah, j'ai plus de munitions dans l'autre, c'est ça? Ah ouais, d'accord, super. Il n'y a pas une petite mallette dans le coin? Ici, je crois, ouais. Resupplying. Quand même plus sympa d'avoir des munitions. Ah, mais c'est qu'ils nous suivent, hein, ils lâchent pas l'affaire. ZR pour lier les âmes. C'est ce que je fais, mais. En tout cas, moi qui suis un noob dans le genre, je m'amuse bien sur ce jeu. Ah oui, il y a la bouboule là. Sympa, j'aime bien ça.
Ok, un petit coup d'amulette. Après, tu n'es qu'au début. Peut-être qu'avec les amulettes, tu auras plus de possibilités. Ouais, c'est pas faux. On va pas juger le jeu trop vite. Si j'arrive plus loin. Alors. Venez là, petit petit. Ah, c'est tout. C'est juste deux tours. Ça, c'est bien de les finir comme ça, j'aime bien. Ouais, sûrement des nouvelles armes, c'est clair. C'est pas faux. Oh, mais cassez-vous, les gars. Est-ce qu'on est obligé de tous les buter? J'ai l'impression que parfois, il y a des vagues. Pour l'instant, je les bute tous. Est-ce que j'en ai obligé finalement? Je pense que ouais. Ça donne du loot, c'est tout ça. Mais... Ok, niveau contrôle du bonhomme, ça a l'air de bien répondre. Ouais. Ouais, ouais, franchement, ça répond bien. C'est fluide, c'est cool. Voilà, y a rien à dire là-dessus. Ok. Donc ça, c'est le camp de base de Harbin. On va pouvoir souffler un peu et level up pour Stéphanie Amelia. Coucou Stéphanie, c'était dans le coin. J'espère que j'ai pas loupé ton bonjour. Alors. Ah, d'accord. Chamberlain automatique. Kingsley, on connaît. Ouais. Ça, c'est ce qu'on avait peut-être au début. Ça, ça fait pas mal de dégâts, mais par contre. La cadence pas terrible. Ouais. On va rester là dessus on a quoi dit grenade collante, cocktail molotov. Allez, ça me paraît pas mal. Ah, t'es tume fusil à pompe toi, donc ça t'allait bien le truc là, celui-là là. Le Lemington. Enfin, c'est le double cartouche, mais. Peut-être celui-là, je sais pas. Il a l'air pas mal celui-là, non? On l'avait pas déjà d'ailleurs. Ah, c'est un fusil, d'accord. Je vais reprendre le premier que j'avais là. Un 7, un 5, 2. À l'amulette, j'ai pas vu si on pouvait la changer d'ailleurs. Non, toujours pas. Alors, on recharge les munitions, elles sont pleines, ok, il n'y a rien à gratter. Un fusil verrou. Ah oui, je vois. Avec le petit truc que tu actives sur le côté là. Une fouille intrigante, oui. On va fouiller à la ligne. Gold, glorious gold. De l'or si précieux. Ok. Vous pouvez tirer sur la dynamite pour la faire exploser, ça je sais. Mais maintenant j'ai un cocktail molotov. D'ailleurs c'est comme ça je crois. Ah, ça fonctionne. Il y a des symboles encore là, hein. Trois symboles, abattez-moi. Ouais, ok.
strange, Brigade. Brute force wasn't the answer here. On a raté notre chance, c'est ça? On l'a réussi, je sais pas. Ammo. Lovely stuff. J'ai pas remis la cam. Je vais la remettre. Hop là, c'est parti. Fallait faire les symboles en bas de la porte. Ah, vous avez pas vu. J'ai fait le bourrin. Ok. J'ai fait le bourrin. Désolé. Allez, je vais voir ce qu'il y a là. Ah, j'hésite. Il va y avoir du zombie là, c'est obligé. Ok, donc comme d'hab, il faut une clé. Et une potion, ça serait bien aussi, les gars. S'il vous plaît. Une potion. Ah mince, il me saoule les scorpions. On les entend pas arriver en plus. Meurs. Oh là là. Des allers-retours, hop. Quel gameplay, les amis. Ah, j'ai pris cher là. Là, j'étais empoisonné là. Directement. En même temps, on verra ce que ça donne quand on crève. Amulette chargée, ça c'est cool. Amulette déchargée. Qu'est-ce que c'est que ça? Des munitions, ok. More of these beggars popping up. Someone clearly doesn't want our heroes getting inside this tomb. C'est bien qu'ils aient planqué un truc derrière ce mur, mais bon. Des munitions, ok. Ah non, c'est une caisse à 500 boules. Ah. Ça te parle, ça, Lina? On est d'accord. Il est mort ou c'est moi? Non, c'est moi qui vais crever. Ah merde. Flamethrower, you know what to do, Brigade. Burn them all. Ok. De la thune. Allez, on est reparti. Ah non. Ah d'accord, c'est soit le pompe, soit le lance-flamme. Allez, venez avec une potion, les gars, je vous attends. Ouh là là là, le scorpion. Ok, ça roule. Oh là
pas me laisser tranquille. Alors ça recharge les munitions mais pas le lance-flammes. Qu'est-ce qu'on a en bas? Il y a des trucs là-dedans à chaque fois. Spécial. En ajoutant des joyaux, mais est-ce que j'en ai des joyaux? Encore trouvé là, je sais pas. Ouais. Ok, là il y a une porte, une grille plutôt. Tous ces trucs là qu'il faut trouver en fait. Non, ça réveille pas des tarés à chaque fois. Si. J'ai vu une main là. Personne a une potion, les gars. Et tant d'axe. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut fuir encore. Est-ce qu'on craint le feu qu'on a propagé? Je pense que oui. Just what I need. Exact. Ah, attends, c'est une momie ça, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ok. Ok. Ah. Donc là, je vais faire le con jusqu'à ce que j'ai presque plus de vie. Et après, je vais me concentrer, comme d'hab. Il n'y en a que 3 à trouver à chaque fois. Pour l'instant. Non, les gars. On peut se battre à main nue quand même. C'était où le scarabée?
Scarabée, c'était en haut, je crois. Je suis même pas sûr. Non, c'était pas là. The fully automatic Audley. Huzzah! How amazing! Ah voilà. Ça c'est cool. Le scarabée. Ah bah c'était là, je suis con. Ah, trouver une clé. Ah. Donc on a fait les trois symboles. Il faudrait savoir où est la clé maintenant. Découvrir ce qui arrivait à Arbin, trouver la voie d'accès au site de fouille, ouais. Le site de fouille. Ah oui, ça a ouvert cette grille, d'accord. Là, il y a la clé. Aha, the key to success. Well found, brigade. What treasures lie within this cryptic chest? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit bout d'histoire. Oh, jolly good. A nice bit of reading. Voilà. That's always fun. C'était qui la maudite? C'était qui le démon? C'était qui la reine? C'était qui en fait? C'était qui? J'en étais où? La reine sorcière des damnés. Mais la maudite, nous la maudissons. Nous, les grands et véritables dieux du peuple d'Égypte. Que son règne blasphématoire disparaisse de l'histoire et de la mémoire des mortels. Que ses statues soient abattues, ses temples brûlés, ses adeptes mis à mort. Que tous les monuments et supports aux figures son nom soient jetés dans les oubliettes de l'histoire. Nous écrivons ici son nom pour informer ceux qui liront cet avertissement, mais à l'avenir qu'il soit strictement interdit de le prononcer. On a la clé, on a un petit bout de l'or, on a de la thune. Il va falloir essayer de survivre maintenant. Jusqu'à la porte. Allez, c'est parti. Ça va, ils nous ont pas sortis tous les tarés du coin. On n'a pas vu de statue à désinguer là, c'est bizarre. C'est joli quand même. Alors, c'est parti. Oh dear. Truly a somber moment for the brigade here. Poor Veronica's paid the ultimate price, it would seem. On en est où du match, Lina là? Toujours un partout. Alors, sujet, nos plus grandes craintes. Ah, je voulais le lire, mais voilà. On ne peut pas. Il y a des toiles d'araignées, les gars. S'il y a des scorpions, il y a des araignées. 2-2 pour le match. À chaque fois que tu me dis le score, du coup, c'est égalité. Non, là, il n'y a que dalle. Il reste 30 minutes. Ok. Alors là, il va y avoir une énigme. Et une potion. Potion que je n'utiliserai pas tout de suite, du coup. On peut pas éclater ce tonneau, d'accord. Alors. Je m'en doutais. Oh, un
Maï sauvage apparaît, c'est vrai. Comment ça va, Maï? Our heroes pit their wits against this pernicious puzzle? Il faut tirer dessus ou quoi? Ah ouais, oh merde. Alors. Ça en fait des balles. On peut recharger les munitions quelque part? Non, même pas. Alors, du coup. Non. Ouais. Du coup, il faut faire quoi? Ah ouais, il faut allumer ce truc-là, d'accord. Ouais, mais non, en fait. Voilà, tic tac touc. Tire avec le pistolet. Ouais, merci, t'as raison en plus. J'ai vu un peu tard. Alors. Là, c'est pas bon. Ah, quoique. Ok, cool. Bon, sur ces trucs-là, je suis pas mauvais. There's magic there, don't you know? Quoi de beau, Kuro, alors, aujourd'hui? T'as bossé? T'es toujours au boulot? D'ailleurs, est-ce que les affaires reprennent avec, avec les réouvertures, les levées de couvre-feu, etc.? Ok, donc il y a toujours ce. Là par contre, on sait pas trop encore. Je peux le faire au pif, mais. Moi, je serais d'avis qu'il faut poser des choses là-dessus, hein, mais. On verra plus tard, je pense. Même pas tirer dessus. Non. Ah oui, d'accord, on a les symboles là-haut, super. J'avais pas vu. Ok, on se calme. Donc, l'oiseau. C'est pas celui-là déjà. Ok, après il faut aller ici. Après il faut aller là-dessus. Les couteaux. Ils sont là. Le burger. Il est où le burger? Il est là. Le triangle, il est là. Le chien, chat, ce que vous voulez, il est là. Et le je ne sais quoi, il est là. Cool. Alors, je fais une petite pause. Ah, maïge, ça reprend tranquille. Les affaires sont toujours meilleures que le zéro de l'année dernière. Ouais, c'est clair, j'avoue que là, c'est passé vite, hein, tout ça, quand même. Oula, oula, on a deux têtes de chat là. Ok, il y a du chat, il y a du chat. La chambre de la reine. Donc c'est là que le gars a fait la connerie. Hein. Il a ouvert le tombeau. Good Lord, the Queen of the Damned. Are our heroes too late? Pas bien compris là, je me suis pris de mandale. Ah, lui je l'ai pas raté lui. Voilà. Merci, merci. Et c'est quoi, c'est pour se recharger?
Une potion de plus, on va pas en boire une. It. Medical magic, do your work. Petite animation. Ah ouais, les... ouais, c'est clair, t'as raison, Amaï. C'est carrément la terreur, ouais, t'as raison. Ouais, règle ou pareil, ils sont dehors, j'avoue. What long forgotten evil have our heroes stumbled upon here then? Will they even find out? Or will this terrifying tomb's residence prove la momie, la momie parrain. Mécréant momifié. Sort-il de leur sommeil éternel pour vous éliminer? Ok. Ah mais il y en a plein en fait. Mais les gars, foutez-moi la paix un peu. Allez, un petit cocktail Molotov. Tel coup de poing, ça sert à rien. Ou je crois que là c'est un peu rentré dans les sarcophages là, il me semble. Ah voilà, j'ai fait un joli coup là. On va là-dessus, non? Ah, ils sont combien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel sarcophage là? Ah, c'est quoi un piège ça, ouais? Bon bah, faut pas réfléchir. Hein. Heureusement que j'avais une petite potion d'avance. Ah, j'avais pas vu que c'était ça, que c'était lui qui me lançait ça. Je l'ai senti venir, ça, celle-là. Ouais, on va y arriver, on va y arriver. Il reste plus que deux, non? J'ai un peu de chance. Il y en a un autre là-bas. Il a l'air enragé celui-là. Ok, c'est ce qu'il fallait faire. A dead horror from ancient times, awoken and set loose upon the world. Fear not. Ah, c'est cool. The strange brigade are on the case. On a fini un chapitre.
Je pense. Ah, Maï, on est en totale découverte là sur ce jeu. Retourne info. Alors, continuer, recommencer, non, continuer. On a trouvé 0 chat doré, 3 vases, quelques reliques. Ok. Quick spot of munitions management here. L'inventaire. Alors, comment ça se fait là que j'ai l'inventaire? Comment c'est la partie? D'accord, on enchaîne direct en fait. Ah oui, on peut changer. Ah oui. C'est verrouillé, ça, je crois. Hein, ouais. Ah, on peut acheter 11 000 balles. On a 3 000 balles, c'est dommage. On n'a pas assez pour acheter tout ça là. Merci pour le score. 9000 balles. On n'a pas beaucoup de thunes en fait, c'est dommage. Amulette, tiens. Acheter. Alors, un... On peut pas. Hein. Ça c'était bien le cocktail Molotov. Bon, ça c'est toujours mieux. Je crois que le mieux c'était ce truc là. Hein. Ah, quoi que celui-là est pas mal. On va rester comme ça. Back to the dirigible, but there's no time to rest. Lady Webster has another task to hand out. So, now the worst is known. Sateki has been set free upon the world. A terrorist, yeah? The like of which the world has rarely seen, if the legends are to be believed. So how do we stop her? An excellent question, Alangu. I have experts here in London, translating everything we can find about Sateki. Ah, oh, those brave boffins, risking their lives for king and country. We all serve in our own way, Captain Fairburn. If there's anything useful, they'll find it. Agent Brownridge's death will not be in vain. I should hope not, indeed. And in the meantime? In the meantime, Professor, I need the Brigade to gather more information for our boffins to study. Starting with the ancient temple at the valley in this location. Those brave boffins' book smarts can't save the day by themselves. Thankfully, the Strange Brigade is on hand to leap into action once more. What thrilling tales and awe-inspiring adventure awaits them in the Hidden Valley! The Strange Brigade! Brigade! Vallée cachée, un horrible plan révélé. Commencer la partie. A suspiciously sinister valley leading to a mysterious mountain temple. A day at the races for the Strange Brigade. Avec une petite potion juste là. Merci les gars. Ils ont pensé à moi. Alors, grand consommateur de potions Kabuki. Ça craignait pas mal l'Égypte dans les années 30 quand même. Hein. Ok, donc ils veulent pas qu'on aille là. Ils veulent qu'on aille ici. Et c'est pas des trucs à détruire ça, non? Non, on peut pas y aller non plus. Alors, ça commence bien. Sortir. Another bloody jungle trek. And in this heat... La vallée perdue. C'est écrit un peu à la Indiana, j'aime bien. D'ailleurs, il y a un Indiana Jones qui doit sortir. Ça va être un gros titre, ça. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Ils sont comme ça. Bon, j'ai pas lu ce qu'il fallait faire. Atteindre le temple perdu. Ah, il n'y a pas ces trucs-là. Ok. Celebratory drinks back at the officer's mess. Et après? Ah, je laisse comme ça, d'accord les gars.
J'aime bien. Un peu de réflexion. Sinister scarabs, far off murderous mummies. Ah, ça part directement dans les étoiles. Ok. Les momies zombies brutalisaient les archéologues. Eh ouais. Bon bah c'est par là une fois. Ça me tentait bien là de mettre un petit. Ah d'accord. Le boom is beer. Ghastly ghouls blocking the bridge. Non, pas les ghouls. Pas les ghouls. C'est le moment de jeter un bordel. Voilà. On peut pas l'ouvrir ça. Ah, c'est un mécanisme, ok. C'est vrai qu'ils sont lents et pas armés quand même. J'ai la manette qui tremble. 35 munitions. Sympa la déco quand même. Alors, d'après des journées très sérieux, telles que voici ou gala, Harrison Ford vient de se blesser sur le tournage d'Indiana Jones 5. Bordel. Je savais même pas qu'il tournait le 5. Il m'a spoilé méchamment. Alors on peut se farcir les oiseaux, mais il faut être rapide. Qu'est-ce que c'est que ça? Des munitions? Je dis pas non. Oh oh! La poule aux odeurs, les gars. C'est ça. Ok, elle fait marrer. Sorti en 2022. Il y a beaucoup de choses en 2022. Notamment Splatoon 3. Je sais pas si vous êtes hypé, moi je suis hypé à mort. J'adore les gars qui font Splatoon. Le taré en blouse blanche là. T'as pas l'air ouf comme jeu, tu parles du jeu que je suis en train de jouer là? C'est ça? Tu parles de French Brigades, My? Ou de... ou du India Jones dont t'es attendu là? Il y a de la thune, il y a de la thune. Il y a la suite de Breath of the Wild, tu m'étonnes. Bah ils ont, ouais, ils ont dit 2022, non, ils ont pas donné de date. Hein. Alors, en général, quand on peut faire un impact comme ça, alors comment on active ce bordel là? 2022, bah voilà, cool. En fait, c'est tellement long que je l'attends plus. Donc il n'y a pas de date, mais 2022 ça me va. Déjà s'il est au moins aussi bien que le 1, on va kiffer les amis. On vient d'ici... à connexion directe avec le ciel, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on peut les flinguer en plus. Un bonus ça. On peut cramer toutes ces munitions dessus, ça c'est sûr. Ah d'accord, ouais, c'est tous les oiseaux qu'on voyait tout à l'heure. Ok, bon, pourquoi pas. Ah, j'ai vu un chat. Alors pour rappel, il mettait chaque année pour le premier beau qui sortait l'année prochaine, ouais. Ouais, ouais, ouais.
tout cas, on va avoir une belle année là, ça va être cool. Une belle fin d'année. Moi, je sais pas vous, mais moi, Metroid, là, je sens le truc de ouf. Une tête de femme en haut d'un escalier. Ouais, bon, ça va disparaître, ça, non? Non, ça reste, moi. Alors, des zombies. Ah, je l'avais pas vu, lui. Je me disais, tiens, pourquoi j'ai été interrompu? Je me suis fait taper. Moi aussi, je peux cogner. Un Twilight, le roi du report, c'est vrai. Ouais, de toute façon, il sortira bien un jour. Là. Et du coup, ça parle plus trop la Switch Pro parce que vu qu'on n'a rien vu avant le 3, pendant le 3, ça ferme un peu fermé la gueule à tout le monde. On va se demander si c'est pas un gros pipeau de Bloomberg en fait. Eh putain, je fais tout brûler, l'autre il arrive comme ça de nulle part. Oh gueule. Pas les trucs planqués en haut, tout ça, c'est quoi ça? Quoi ça sert ça? Faut pas j'ai des étincelles. La Switch Pro est un complot de JVC pour faire en sorte que Balan ne soit jamais. Ah, c'est ça, les gens ils se sont dit, je vais attendre Balan sur Switch Pro. J'ai trop envie d'acheter Balan, mais bon, s'il sort sur Switch Pro, ça sera plus joli. Du coup, ils n'ont pas acheté. Et le gars s'est fait virer, quoi. Là, je pense que ça va cramer cette espèce de haie, là. Voilà, très bien. Une route secondaire. Ça se détruit pas, ça? Un petit cocktail Molotov, non? Non, même pas, c'est abusé. Mais cassez-vous, les gars! Ah, yes, rolling, that's a good trick. Ah ouais, good trick, ok. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Ouais, ils ont jamais fait, je suis d'accord, hein. C'est juste des pipeaux de Bloomberg là, et autres. Maintenant ils commencent à dire oui, mais les gars disent qu'il n'y aura pas de nouvelle gamme, ça défie les lois du cycle des consoles, etc. La Switch. En même temps, c'est ce que les gars disent depuis le début, mais bon. Ok, donc ça c'est un genre de raccourci pourri. Ça s'éclate, ça, non? Ah, super. Là, on est Keblo. Quand même intéressant de viser la tête. Alors, un cachet, ça me plaît pas, ça. Ça pue le piège dégueulasse. Alors, je fais une petite pause en espérant que j'ai pas des zombies qui viennent m'emmerder. Vous lire, si ça se trouve, il n'y en aura pas, c'est juste qu'ils changent un ou deux composants. Ouais, il y a peut-être ça aussi, comme ils ont fait déjà avec la batterie et tout. Même si, franchement, moi j'ai la Day One là et je l'ai allumée tous les jours depuis 4 ans. Et tout va bien, elle roule bien. Ils feront des annonces Twitter en juillet et août pour la sortir genre en septembre si on se fie aux rumeurs. Ah ouais, mais bon, la rumeur du coup se base sur un modèle qu'on a eu l'année dernière avec Mario Paper et tout ça.
modèle qui n'avait pas été leaké en fait. Donc je sais pas. Là on redit quelque chose qui est déjà arrivé mais qui n'était pas arrivé avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que les leaks faut les prendre un peu comme des jokes et puis on verra bien. Ouais, donc je disais Metroid. Moi Metroid il me hype grave. Hein. Parce qu'on garde les mécaniques d'antan, on rajoute des petites animations cinématiques là. J'ai regardé le gameplay du Treehouse et ça m'a grave hypé quand même. En même temps, j'espérais secrètement un Metroid 2D, parce que moi je vous l'ai dit déjà sur ce live. Metroid Prime pour moi, c'est pas du Metroid, quoi. Ça m'intéresse pas. C'est du FPS, point barre. Et en plus, ça clôt le cycle de base, quoi. Ouais, toi aussi, Team 2D, ben voilà. Franchement, mes premiers Metroid Prime 4, on s'en bat les steaks, je suis d'accord. Bon, y a plein de gens que ça hype. Parce que ça avait été annoncé, annulé, tout ça. Bon, on connaît l'histoire. Hein. Mais on est entre nous. Mais ce que je veux dire, c'est que... Moi je m'y attendais pas, c'était un doux rêve, je l'avais dit à la pause déj, avant le 3, j'avais dit ça serait trop cool qu'il y ait un Metroid 2D, mais j'y croyais pas. Hein. C'était dans la wishlist, voilà, la dreamlist on va dire. C'est celui-là que j'ai bougé, hein, ouais. Je pense que j'ai fait le bon truc. Hein. Mais du coup, ouais, j'étais vraiment, vraiment... Je crois que c'est vraiment l'annonce qui m'a tué, quoi. Le 3. Et ouais, il a l'air ouf. Il y a des gens qu'on connaît qui disent que voilà. Pour l'instant, ça n'a pas l'air ouf. Moi, je vous dis, faisons confiance à Nintendo. On a vu le gameplay, là, sur le Treehouse. À mon avis, on n'a rien vu. Et déjà, ça me hype à mort. Ouais, après les vieilles vidéos de Metroid Dread. Ah non, mais ouais, c'est ça. C'était moi aussi. C'était pincez-moi, je rêve quoi. Comme quoi, ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Donc voilà, une fois de plus, gloire à Nintendo. En plus, octobre, les gars, c'est pas si loin, octobre. C'est avant Breath of the Wild, c'est avant Splatoon, c'est avant Arceus, c'est avant tout ça quoi. Octobre, on va se faire un automne de ouf. Puis ça va relancer des speedruns et tout ça, ça va être trop classe. J'aimerais bien Spoody nous faire un speedrun Metroid Dread. Ah et ça j'ai pas suivi les news à Maï en ce moment. Donc ils taffent déjà sur un après. Eh bien qu'ils le fassent, il n'y a pas de problème. En plus on dit toujours, j'entends souvent dire oui Metroid c'est un jeu de niche etc. Les gars avec la puissance de la Switch là actuelle, là on est sur un point culminant. Il nous ressort cette licence, je vous dis que ça va la relancer grave. Il y a un truc là bleu. Il ne faudrait pas que le laser atterrisse ici en fait. Y a pas un truc à faire avec ça. Alors, je vous rappelle que le personnage ne peut pas sauter. Quel est le but de cette plateforme? Ouais, Legend of Mana. Alors pour vous expliquer, donc la chaîne a pris un tout petit peu plus de cachet par rapport à quand je l'ai lancé, là on est à 4 mois, et du coup le jeu là que vous voyez, je l'ai demandé sur un site où en fait les streamers peuvent s'inscrire et faire des demandes de clés, et donc sur ces demandes de clés, donc c'est un nouveau site que j'ai trouvé hier, il y avait ce jeu, donc je me suis inscrit hier, ils m'ont envoyé direct, il y avait Worms, le prochain là, il y avait Mana, Et un jeu de Team 17 qui est attendu là. J'ai oublié le titre. Et du coup, j'ai demandé les 4. Donc, on va voir
qu'ils me pondent le mana, comme ça on pourra le jouer ensemble tranquillou. Même si, bon, mana, en plus version PS et tout, c'est pas... J'achèterai pas, je vous le dis cash. Mais si on nous offre la clé pour le montrer, avec plaisir. Donc on va voir dans les jours qui viennent, Square à foi en Messi 7, ce viewer de moyenne. Ou pas. En tout cas, Rebellion nous a fait confiance et ça fait plaisir. Voilà, c'est pour ça que je leur fais honneur ce soir. On verra pour les autres. Bon, je tourne en rond là. Là, on redescend. Il y a toujours ce... Il y a aussi ce truc bleu là. Je l'aurais tenté. Donc il y a sûrement... Ah oui, il y a tout ça là aussi. Match fini de partout. Et voilà, et voilà, et voilà. Du coup, ça nous... Je sais même pas combien on est classé. C'est le deuxième match de l'équipe de France après l'Allemagne. Je suis de très très loin. J'ai arrêté le foot à Italia 90. Après, j'ai grandi et ça m'a écœuré. Mais avant, j'étais au taquet. Hein. Je vivais avec mon ballon comme Olivier Tom. Je dormais avec mon ballon, limite. Je passais mes journées à taper dans le ballon. L'équipe de Platini m'a fait rêver. Du coup, est-ce qu'il faudrait pas bouger ce bordel? Est-ce qu'il faudrait pas tirer dedans pour le délier? Non, pas vraiment. Est-ce que ça part en bas? Ça remonte? Ouais, je sais pas. J'ai arrêté le foot après Mario Striker, Charge Football. Ok, c'est un choix. Non, franchement, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu du catch limite, quoi. Il y a ces mécanismes-là. On peut rien y faire. En tout cas, il n'y a plus de zombies qui nous emmerdent. C'est pas mal, ça. Alors, objectif. Atteindre le temple perdu. Atteindre le camp de la montagne. Ok. Ok, donc tout ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Là, on vient d'ici. Il y a ce mécanisme à la con. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, d'accord. Pas très bien observé. Voilà, très bien. Ok. Y peut-être, ouais, c'est ça. Oh, what long hidden pathway has this unearthed? Ok. Est-ce que je peux sauvegarder à tout moment? Sachant que demain je bosse. Retourner au salon. Bah du coup j'ai peur de... Ah ouais, si on quitte, faudra tout recommencer, j'ai l'impression. Un peu con quand même. Et je pourrais pas jouer une heure de plus. Là je pense que... Je suis pas sûr d'avoir réellement avancé là. Super. Ah oui, d'accord. Non. Allez, on fout le feu, on est des malades. Ah, donc il n'y a rien à faire là. Là, j'ai cru qu'il allait grimper, j'ai trop cru. ok, donc ça s'est ouvert, c'est super. Ok. Je peux aller là, mais je peux pas aller là.
ici non plus. Quel est le but de tout ça? Ah voilà. On peut tirer dessus, mais non, en fait. Ah si. D'accord, ok. Gold, voilà. Glorious gold. Non, pas eux. Allez, les gars. On va mourir. Oh, toujours un scorpion. Fully charged and good to go. All for us, eh? Ah, le catch congolais. C'est quoi le vrai nom d'ailleurs? C'est pas le catch congolais, hein. Il y a deux stars connues là, j'ai oublié leur nom. Deux stars, deux héros. Deux... Je crois que c'est Booba qui les cite dans une chanson d'ailleurs. Je dis pas de conneries. Le mécanisme. Ressemble à tout à l'heure. Bon, je vais quitter, je suis désolé, retourner au salon et puis on verra bien où est-ce que ça reprend la prochaine fois, parce qu'il est 23h07. Je comptais faire du 21-23. Alors ces deux préférés sont la grande reine Shakira et Danger de mort. Du coup j'irai voir si on parle de la même chose, parce que ça a l'air space ton truc. Mais ce que je pense, c'est Space aussi. On va commencer l'aventure, multijoueur, ok, donc B, menu principal. Voilà, c'était Strange Brigade, merci Rebellion, merci pour la clé. Thank you Rebellion. On se retrouve vendredi matin, Cozy Grove, version 2.0, c'est l'été. Il y a des musiques en plus, bon ça c'est le petit fun. On peut chasser des insectes, comme toujours comme dans Animal Crossing. On peut faire des câlins aux ours, et puis plein d'autres choses. Ouais, moi aussi, c'est Advance Wars, je m'y attendais pas non plus. Bon, après, remake, tout ça, on a l'habitude avec Nintendo. Wario, je m'y attendais pas non plus. Bon, ça fait plaisir à Adra, c'est cool. Voilà. Donc, je disais qu'on se retrouve... désolé, Amai, je vais aller me coucher. On se retrouve vendredi matin pour la matinale 7:38-30 avec Cozy Grove. Et puis après, ça sera le week-end chez Lady Clémentine. Donc on part dans l'ouest avec Ico. On part en expédition et on vous streamera certainement du Mario Golf et autres délires. Voilà. Bonne nuit. Merci Lina. C'était cool d'être passé sur le live, d'être resté. Merci à Maï d'être passé aussi. Ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui étaient dans l'ombre. Pour poursuivre mes aventures sur Strange Brigade. Pour ceux qui connaissent pas encore, point d'exclamation Discord, je vais vous le mettre tout de suite pour nous rejoindre, et si comme ça vous me direz si vous voulez que je continue ce jeu ou pas. Voilà, moi c'était une découverte pour moi, donc je me suis bien amusé. Voilà, c'était sympa, j'ai pas vu le temps passer. Bonne nuit, bisous les filles, check les mecs, comme d'habitude. J'ai pas prévu ma transition, mon goodbye. Le goodbye a changé pour ceux qui passent de temps en temps, vous allez voir. Et je vous le mets en gros pixel, bien sûr. Bye bye. Regardez comme ça a changé. Et non, ce n'est pas un leak. C'est pas un leak caché. Bonne nuit tout le monde.